Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer le tirage en pyramide que je réalise facilement avec l'oracle de l'énergie. A tout de suite. Je suis Lali, tarologue de la chaîne Le Tarot de Lali. Sur cette chaîne, je vous montre comment réaliser des tirages, comment apprendre le tarot, vous initier aux arts divinatoires et découvrir la spiritualité. Donc on va commencer tout de suite par cette vidéo tutoriel où je vais vous montrer, où je vais vous expliquer comment je le fais à ma manière, le tirage en pyramide avec l'oracle de l'énergie. Alors évidemment, il existe d'autres manières de faire. C'est ma manière que j'utilise assez régulièrement et avec cette manière-là, avec cette façon, j'ai des résultats positifs. Donc dites-moi en commentaire après la fin de la vidéo, si vous connaissez le tirage en pyramide, comment vous le faites et avec quel tarot vous le pratiquez. Alors, on va commencer par un premier exemple, un personnage fictif, par exemple Christelle, vient vous voir et elle voudrait savoir comment va évoluer sa relation sentimentale, sachant que cela fait à peu près 6 mois qu'elle est avec cette personne, elle voudrait savoir si une évolution est possible. Donc on va regarder avec l'oracle de l'énergie. Donc là j'utilise toutes les cartes. N'hésitez pas à regarder la playlist ici sur la chaîne YouTube, la revue de l'oracle de l'énergie. J'ai fait pas mal de revues sur différents tarots. Donc vous pouvez y jeter un coup d'œil. Alors là, ce que vous faites, c'est que vous vous concentrez sur la question de Christelle, en tout cas la question de votre consultant ou consultante, ou votre propre question, vous mélangez vos cartes. Vous coupez en deux ou en trois, là je vais couper en trois. Vous rassemblez en réfléchissant à votre question. Et ensuite, vous disposez les cartes. Donc ça, c'est la situation passée. La situation présente, excusez-moi, les blocages, au centre, la situation actuelle, le résultat, au-dessus, on a l'évolution, les blocages, et on a ici la réponse. Donc on y va, on va retourner les cartes. Alors, donc on a premier chakra, archange Michael. On a le deuxième chakra et on a hostilité. Alors, avant d'interpréter, on va quand même, repos et ressourcement, retourner toutes les cartes. Sixième chakra, archange Métatron, et ici on a tempête en vue. Alors, bon, vu les deux cartes, vu le résultat et la carte du milieu hostilité, il semble que la relation ne se présente pas très bien. D'où sa question, il va falloir aussi, avoir une discussion avec votre consultant, savoir en fait pourquoi elle veut savoir comment va évoluer sa relation sentimentale au bout de 6 mois. Ça veut dire qu'il y a quelques problématiques et on voit bien une tempête en vue. On a quand même le résultat qui est très clair ici du tirage de l'évolution de sa relation sentimentale. On voit bien qu'elle se pose beaucoup de questions avec le premier chakra ici. Elle réfléchit beaucoup à l'évolution de cette relation sentimentale. Là, avec le deuxième chakra, on peut dire qu'elle a du mal à s'exprimer dans la relation. Donc elle garde tout à l'intérieur d'elle, elle ne veut pas froisser son partenaire, elle n'aime pas du tout les clashs, les conflits, elle garde tout pour elle, et ça peut être assez frustrant, ça peut être assez difficile à gérer au niveau émotionnel. Et là on voit de l'hostilité, c'est-à-dire un éloignement ici entre elle et son partenaire qui est en train de se créer, d'où sa question, est-ce que sa relation va évoluer au bout de 6 mois. Là on voit une évolution, repos et ressourcement, ça signifie que la relation va stagner, que la relation va rester telle qu'elle et qu'il faut absolument que Christelle puisse se ressourcer, puisse prendre du recul, lâcher prise par rapport à cette relation. Là le sixième chakra ici, ça signifie bien qu'elle a du mal en fait à retrouver cette harmonie dans la relation. Elle voudrait bien, mais elle a des difficultés à le faire. Pourquoi ? Parce qu'elle a son partenaire qui est plutôt
En hostilité, hein, si je peux dire ça comme ça, hein, vu la carte, il y a comme en fait un éloignement, une distance qui s'est installée entre elle et son partenaire. Et là, tempête en vue, il y a encore une tempête qui arrive, c'est-à-dire un conflit, une dispute. Donc c'est vrai qu'il y a l'évolution de la relation semble assez compromise. Alors, si vous souhaitez plus d'éléments pour aider justement et conseiller votre consultant ou consultante, vous pouvez rajouter une carte pour avoir un conseil. Hein, ne laissez pas, comment dire, la consultante dans cet état, parce que c'est très difficile d'annoncer une nouvelle négative. Hein, voilà. Donc il faut toujours apporter un conseil supplémentaire pour la guider, l'aider à passer en fait cette épreuve, cette situation difficile. Donc là, vous pouvez rajouter avec l'oracle de l'énergie, qui est un oracle qui donne des conseils, des messages, qui transmet en tout cas les messages ici. Donc on va sortir une carte pour un conseil pour elle. Et on a homme réfléchi. Donc ça signifie ici qu'il va falloir réfléchir, bien réfléchir, prendre du recul surtout, prendre le temps de la réflexion. Si elle voit que la relation vraiment n'avance pas et que voilà, c'est de l'hostilité sur de l'hostilité, de la colère sur de la colère, des conflits qui s'accumulent, une relation qui ne lui apporte pas du tout d'apaisement et de sérénité, il va falloir qu'elle réfléchisse à la question, à justement quitter son partenaire, à rompre la relation sentimentale. Donc ça demande beaucoup de réflexion, c'est vrai. Beaucoup de temps aussi, c'est pour ça que ici on lui demande, hein, le tarot lui demande de se ressourcer, de reprendre de l'énergie, parce que cette relation la fatigue émotionnellement. Donc là, il est important de prendre du recul par rapport justement à la relation sentimentale qu'elle vit avec son partenaire. Voilà pour cette question sentimentale. Donc on va rester sur Christelle et là, elle va nous poser la question sur le professionnel. Donc en fait, elle hésite à créer son activité professionnelle. Elle voudrait bien se lancer, mais bon, elle a peur. Donc elle voudrait savoir quand est-ce qu'elle va pouvoir se lancer, vers quelle période, en tout cas, si elle va pouvoir se lancer, si elle va pouvoir créer son activité professionnelle. Donc, vous mélangez les cartes comme précédemment. Alors je coupe en trois, je rassemble et je pose les cartes. Donc sur votre gauche, la situation passée jusqu'à aujourd'hui, ici les obstacles, le présent, l'évolution ici, les obstacles également. Et puis là, on a la réponse à sa question. Donc on y va, je retourne les cartes. Homme réfléchi. Communauté. Quatrième chakra, Raphaël. Ok. Lien affectif. Porte vers la spiritualité. Très bien. Et nous avons guérisseur de tous les temps. Donc ça, là, j'ai quand même des cartes plutôt intéressantes et plutôt positives par rapport en fait à sa question. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'elle a peur hein, d'échouer. Elle a peur de ne pas pouvoir en fait en vivre, de ne pas pouvoir réussir dans son activité qu'elle aura créée. On peut voir ici que son activité, lien affectif ici, elle s'y attache, hein. C'est un projet qui lui tient à cœur. Donc ici, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle réfléchit par rapport à son activité, effectivement, d'où sa question. Donc elle voudrait savoir vraiment si ça va marcher, si elle va pouvoir évoluer, si elle va pouvoir grandir spirituellement, si elle va pouvoir en vivre, tout simplement. Communauté, un obstacle. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il va falloir qu'elle travaille avec plusieurs personnes.
Il va falloir aussi qu'elle tisse des liens. Il va falloir aussi qu'elle crée une communauté. Parce que là, en négatif, ça signifie en fait qu'elle se sent seule. Elle se sent isolée. Donc pourquoi pas assister à des séminaires, pourquoi pas se former pour rencontrer du monde, des personnes. Le présent ici, on voit bien en fait que c'est vraiment un projet qui lui tient à cœur et qu'elle a le soutien des anges, des guides pour l'aider justement à développer son activité. Lien affectif, on voit bien que ça évolue. Ça évolue, on voit bien qu'elle rencontre des personnes qui sont sur la même vibration qu'elle, donc elle noue des liens qui sont très intéressants pour son activité professionnelle, mais aussi pour sa vie personnelle hein, également. Donc elle se fait des amis, elle rencontre du monde et elle se fait connaître de bouche à oreille, mais aussi via les réseaux sociaux, parce que la communauté, c'est aussi les réseaux sociaux, porte vers la spiritualité, rencontre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut absolument qu'elle se livre davantage au niveau spirituel. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'elle soit dans la communication, qu'elle soit ouverte à d'autres possibilités. Donc il est important ici, vraiment, qu'elle travaille sur sa visibilité, sur la communauté. Guérisseur de tous les temps, on voit bien en fait qu'elle réussit ici à trouver cette harmonie entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle en créant son activité. Parce qu'elle a besoin d'autonomie, Christelle, elle a besoin d'être indépendante dans le professionnel et ça lui réussit bien parce qu'elle arrive en fait à gérer les deux et surtout à retrouver cette harmonie, cet équilibre intérieur qu'elle recherche depuis pas mal de temps. Hein. Il semblerait que la vie de salariat a été très difficile pour Christelle. Et après, c'est à vous, comme je l'ai dit hein, dans le premier tirage, de communiquer avec votre consultant pour en savoir un petit peu plus et avoir cet échange hein, qui est très intéressant lorsqu'on fait un tirage pour une autre personne ou pour soi-même aussi. L'oracle de l'énergie est excellent justement pour recevoir des conseils de ses guides lorsque vous êtes perdu, lorsque vous devez faire face à un choix ou lorsque vous devez prendre une décision. Voilà pour ce tirage en pyramide avec l'oracle de l'énergie. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider. Dites-moi en commentaire si vous faites le tirage en pyramide, comment vous le faites et avec quel tarot. Je serais curieuse de le savoir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit pouce, j'aime, et si vous le souhaitez, à encourager la chaîne, vous avez le petit cœur merci, si ça, bien sûr, si vous le souhaitez. Vous pouvez aller plus loin et consulter les formations en ligne que j'ai réalisées sur le tarot, si ça vous intéresse aussi. Vous avez les formations, elles se trouvent juste en dessous, et vous avez les liens cliquables, il suffit juste de cliquer pour en savoir plus. Je vous retrouve dans deux prochaines vidéos ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous et bel apprentissage du tarot. Ciao, ciao!